m'appelle Pascal Basquier, j'ai 56 ans, ça fait maintenant 33 ans que je conduis des trains, après 23 ans à repasser au CFF, et donc 10 ans ici au LEB. Comment vous êtes arrivé dans le ferroviaire ? C'est vrai que quand on est enfant ou ado, on est toujours un peu passionné de véhicules et j'étais quand même un peu passionné par les trains. Et j'ai eu l'occasion de me présenter pour être conducteur de train au CFF et puis voilà, c'était parti comme ça quoi. C'était déjà en 1989, donc ça commence à dater. Là, j'ai un ordre de sifflet pour un passage à niveau qui est pas gardé et qui est limité à 50 provisoirement. Et qu'est-ce qui vous plaît sur la ligne? Pourquoi être venu au LEB et conduisez-vous depuis 10 ans sur le LEB? Il y avait un moment un peu envie de changer et puis ensuite c'est vrai que j'avais regardé deux trois lignes. Et cette ligne du LEB me plaisait pour deux raisons. C'était vraiment, on faisait un peu de tout. C'est quand on part du flanc, on a l'impression d'être un peu dans un métro, si je passe cette expression. Et puis en même temps, quand on sort, après on est à la campagne. Donc c'est vraiment une variété qui est assez sympa. Et puis en même temps, c'est vrai que c'était une ligne qui était annoncée il y a 10 ans en plein développement et c'est ce qui s'est passé avec toutes les nouvelles infrastructures qu'on a actuellement sur la ligne. Quoi. Technique, quel est l'endroit de la ligne que vous préférez, que vous trouvez agréable, de conduire? Alors agréable, c'est plus sur le haut, ce qu'on a quand on part, parce qu'on est vraiment dans la campagne. On a vu tout à l'heure avec le ciel qui était un peu bleu, qui avait 2-3 nuages au fond et une variété de couleurs. On avait les champs jaunes, c'est dans la campagne, c'est magnifique. Puis c'est vrai que techniquement après c'est plus où on est plus concentré, c'est plus sur le bas puisqu'effectivement il y a plus de choses, il y a la forte pente, il y a le nouveau tunnel, donc il y a beaucoup plus de signaux aussi, donc c'est plus technique sur la partie du bas quoi. Mais les deux me plaisent bien. Vous avez conduit aussi les anciennes rames du LEB. Alors là on est dans une 60, il y a les 40 bien sûr qui circulent, et vous aviez connu celle qu'on a croisée à Bercher au départ du portrait. Vous gardez un souvenir d'elle plutôt positif ou plutôt vous êtes content d'être dans les 60? Alors on va dire qu'on est très content d'être dans les 60 ou dans les 40, parce que c'était vraiment du matériel qui était dépassé, qui avait fait leur temps, c'était le moment de les changer. Je sais que certains puristes et autres ferrovipades se diront peut-être qu'effectivement c'était du beau matériel, c'était du vieux matériel, mais effectivement c'est du vieux matériel et ça ne correspondait plus ni pour la conduite, ni pour les voyageurs à un certain niveau de confort. Il n'y avait pas de climatisation par exemple, ni pour nous avec derrière des immenses grandes vitres, donc des fois on approchait des 50 degrés, des 50 degrés à l'intérieur, donc c'est vrai que c'était quand même... C'était chaud quoi. Et donc on arrive en gare d'Échallens.
Et si on est sur le plateau entre Échalin et Assin, et c'est un des deux endroits où on peut atteindre le 90 km à l'heure en vitesse maximale. Vous avez un tour de service qui vous plaît le matin, le midi ou le soir, ou quelque chose où vous vous dites vraiment ah bah aujourd'hui je vais adorer ce tour là? Alors moi j'aime un peu tout faire, c'est ce qui fait de la variété dans le travail quand même. Cela dit, c'est vrai que je préfère plutôt les tours du matin, on a l'après-midi plutôt de libre, mais en même temps c'est vrai que j'aime tout faire, donc il n'y a pas vraiment spécialement des tours que je me dis que j'aime faire ou que j'aime pas faire. J'ai fait un petit test d'efficacité avant d'attaquer la descente. C'est là qu'on est sur du 60 pour 1000 environ. L'air, justement, vous faites donc deux tests de frein, c'est ça, depuis Bercher, au départ de Bercher pour le test d'efficacité et avant la descente. Avant la descente, c'est un choix un peu personnel ou c'est vraiment des procédures qui ont été édictées? Non, alors, c'est des procédures qui existent. En fait, on en a fait même trois, puisqu'on en a fait une, comme vous avez dit, donc, au départ, plus une avant la forte pente, et puis on en fait encore une à l'arrivée avant d'entrer sur le butoir. Donc, c'est des procédures qui existent par le PCT. Serein de passer, que vous n'aimez pas trop au niveau technique ou au niveau même paysage ou choses comme ça? Non, plus maintenant quoi. plus maintenant. À l'époque, c'était un peu le cas? À l'époque, l'avenue des Chalins, c'était la roulette russe quoi, un peu. On y allait. J'ai quand même fait en 10 ans, je crois, 4 ou 5 voitures. Donc c'était quand même. Alors c'est vrai que c'est toujours que des blessés, du dégât matériel, c'est rarement des blessés. Mais c'est quand même toujours un peu marquant de taper que dans une voiture. Et avec tous les piétons qui ne regardent plus, qui traversent n'importe comment, les cyclistes qui ne respectent pas les codes de la circulation, on se retrouvait dans une situation qui venait vraiment intenable sur cette avenue des Chalins, quoi. Thank you.
Et voici la gare de Lausanne-Flon, gare terminus de notre beau voyage. Là, je vais parquer la machine pour aller me préparer de l'autre côté. Pascal Pasquier, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. À bientôt dans Rail One. Ça marche. Au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous.